Haïti, c'est une organisation qui a milité ici en Haïti, dans les affaires scout. Et depuis le 3 mai 1955. Et nous reconnus d'utilité publique depuis le 23 juin 1959. Nous réalisons des journées, des camps de formation. Ce qui nous apprend, c'est mettre en pratique. Et ça va permettre nous travailler, ça va permettre nous faire l'argent. Si par exemple nous sommes plus dans ces mafors, dans le département, ça va arriver dans l'aéroport, c'est nous-mêmes qui nous travaillons. Moi, c'est un guide éclairiste d'Haïti. Scout là, c'est une école de formation et en même temps, c'est un mouvement volontaire pour n'importe qui qui veut. Moi, je prends un peu de formation et j'ai des choses que je ne connais pas. Connaître. C'est là que je me connais. Maintenant, l'important, et ça que nous supposons faire étant que scout, étant que éclaireur qui forme en secouriste, nous avons besoin de regarder est-ce que mon ça, premièrement, l'est conscient. Nous réalisons des formations secouristes. Non seulement nous former jeunes, mais nous permettre que, avec l'autre jeune capable de recevoir une formation, ça tout, pour que nous capables d'intervenir dans le cas de catastrophe. Et dans les affaires mouvement scout, et l'autre activité, et l'autre bagaille que les jeunes ont besoin pour que nous capables d'épanouir, pour que nous capables de finir un adulte responsable de nous. Le feu de camp donne la joie de vivre. Et vous remarquez le que nous là-dedans, c'est là nous senti nous a et bail tout nous-mêmes dans animation. Côté que timoun yo a chanté, timoun yo a joué etc. Ça c'est une autre sensation que lié en dedans mouvement scout là. Ou pas qu'à parler de animation scout, activité scout, de la joie scout sans que ou pas parler de feu de camp. En gros, feu de camp, c'est là dans que nous-mêmes nous vivons le mouvement scout là vraiment, nous vivons l'animation. Je vais scout là-bas.